Comme vous le voyez, ce magnifique manoir Boucher de Nuverville est un joyau de la ville de Trois-Rivières et je pense qu'il faut de plus en plus le faire connaître. Il faut que les gens se l'approprient. Le manoir Boucher de Nuverville, c'est le plus ancien bâtiment de la ville de Trois-Rivières, donc c'est un précieux témoin du patrimoine bâti de l'époque de la Nouvelle-France. C'est une résidence de type bourgeoise, donc un bâtiment en pierre sur deux étages qui est vraiment représentatif là, c'est ça, des résidences bourgeoises de l'époque de la Nouvelle-France. C'est un lieu qui est aussi également accessible à tout le monde gratuitement. Donc on y retrouve deux expositions. Donc, la première, c'est l'exposition Vie bourgeoise qui parle des dessous de la mondanité en Nouvelle-France. Puis, on a également, en nouveauté cette année, dans Crédit d'Histoire, une exposition archéologique qui est présentée par les étudiants du Collège La Flèche du programme Histoire et Civilisation. Il se passe plein de choses au manoir, donc c'est vraiment intéressant. C'est plusieurs occasions pour les gens là, de venir nous visiter. Donc, on a de l'animation historique, on a la milice qui va venir s'entraîner ici, Joseph-Claude Boucher-Niverville, donc qui vient hanter le manoir qu'il a habité pendant de nombreuses années. On a également des soirées de contes. On a des 5 soirées de contes d'ici à la fin de l'année, dont 2 qui se passent là, à l'extérieur, qu'on appelle les soirées de contes autour du feu. Donc, on a également là, à cette occasion-là, Éric Michaud, le roi des menteurs, donc qui est reconnu partout au Québec, même partout dans le monde, qui va venir ici, à Trois-Rivières, au manoir Boucher-Niverville, raconter des histoires vraiment pas possibles. Donc, on invite les gens à amener leur chaise puis à profiter de l'ambiance chaleureuse autour du feu. On a également le mois de l'archéologie. Donc, on invite les gens à s'improviser archéologues. Donc, c'est autant pour les petits que pour les grands. Donc, ils viennent fouiller dans un carré de fouilles là, qui est érigé spécialement pour l'occasion. Donc, c'est une belle activité intergénérationnelle. Donc, que ce soit pour les parents venir s'amuser avec leurs enfants ou les grands-parents également amener leurs enfants sur place pour jouer aux archéologues. Il y a beaucoup d'activités au programme cette année, donc je vous invite à consulter le site web du manoir Boucher-Niverville, donc manoirdenisverville.ca. Puis on a également une page Facebook qui est animée, puis sur laquelle on met en valeur nos activités. Donc tout ça, tout ce que je viens vous dire est absolument gratuit, tout comme l'entrée, comme nos visites guidées. Donc évidemment, mon équipe et moi, ça va nous faire un plaisir de vous accueillir cet été, puis nous faire visiter notre manoir, puis également de vous mettre en contact avec votre histoire.